Salut à tous, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Retour vide grenier, retour brocante. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu chiner. Donc, du coup, j'ai fait, vous l'avez vu, vide grenier permanent, brocante permanente. J'en ai fait deux. Et écoutez, bon, j'ai trouvé quelques petites choses sympathiques. Pas énormément de jeux vidéo. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose dans le jeu vidéo cette fois-ci. Mais écoutez, bon, ça. Il ne peut pas y avoir toujours du jeu vidéo. Moi, je me suis fait plaisir, vous allez voir. Je me suis trouvé un jeu de société à 2 euros. Alors, je ne sais pas si vous allez le connaître. Vous savez, moi, si vous suivez un petit peu ma chaîne, j'adore les jeux de société, surtout les jeux anciens. Et je suis content parce qu'enfin, je rentre ce jeu-là, le canon noir. Bon, je ne sais pas du tout si vous connaissez ce jeu-là. Moi, j'adore ses designs, ses boîtes un petit peu vintage. Super jeu, canon noir. Voilà, en plus, je crois qu'il y a quelques temps, il y avait quelqu'un qui m'avait commenté, qui avait mis dans l'espace commentaire d'une de mes vidéos, vu qu'il avait vu que j'appréciais les jeux de société, qui m'avait dit qu'un jour, si je pouvais le trouver, d'acheter ce canon noir, vraiment. Jeu de société vraiment sympa. Bon, après, c'est tout bête, hein, vous avez. Du coup, un plateau, donc plateau à assembler qui forme une sorte de carte. Vous avez donc des petits îlots comme ça en plastique, un îlot central. Vous avez vos navires, vos radeaux. Et du coup, sur chaque radeau, du coup, on intègre des petits trésors comme ça, imitation or. Et du coup, le but, c'est de faire couler
les ennemis à l'aide de ce petit canon du coup que vous placez avec le boulet. Vous venez comme ça tirer le canon et le boulet s'éjecte. Et il faut bien entendu viser l'adversaire. Voilà, bon, c'est un petit jeu bien sympa qui date, je pense, de la fin des années 70, début années 80. Ouais, il doit être de 79-80, je pense, ce jeu. Je sais pas s'il y en a une mention sur la boîte. Ouais, il fallait faire des recherches, mais je pense que ça doit dater de 79, ce jeu-là. Mais bon, vous voyez, là, la boîte est vraiment superbe. On a un très joli design, un peu d'époque. Excellent jeu de société, canon noir. Bon, je le rentre pour 2 euros, donc je suis très content. Il était, du coup, vous l'avez vu, au début du live, au milieu de plein d'autres jeux de société. Donc voilà, canon noir. Excellent titre. Alors ensuite, vous l'avez vu, bon, je me suis fait plaisir. Bon, je me suis pris le Steelbook de BioShock sur PC. Bon, écoutez, ça... c'est quand même sympa. Bon, écoutez, voilà, ça c'est un jeu PC. On va pas trop s'attarder dessus, mais le Steelbook est joli. Je me suis pris un guide stratégique. C'est le guide de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Donc écoutez, moi ce guide, je ne l'avais pas. Il était à 4 euros. J'aime bien les guides comme ça, les guides officiels. Bon, il n'est pas dans un état mint, hein, on va pas se mentir, mais écoutez, bon, il était à 4 euros. Mais on a quand même de jolies illustrations du jeu. Hideo Kojima. On a de belles illustrations, mais on a surtout, voilà, tous les plans détaillés. Et ça, quand même, c'est appréciable. Vous voyez, on a toutes les caractéristiques techniques des armes. Et ça, c'est des guides vraiment qui sont très, très bien faits. Chaque fois qu'ils sortent un grand jeu, vous avez le guide. Voilà. Bon, ça reste quand même un très bon jeu, hein, ce Metal Gear Solid 4. Je l'ai sur PS3. Et franchement... je suis quand même content de rentrer ce guide. Du coup, 4 euros. Bon, du coup, bien entendu, hein, tous les prix ne sont pas du tout négociables. C'est vide-grenier permanent. Donc voilà. Donc 4 euros. Le Metal Gear et le BioShock, le Steelbook de BioShock sur PC, je l'ai payé 2 euros. Il était étiqueté 2 euros. Donc ça valait le coup. Et 4 euros pour ce guide. Metal Gear Solid 4. Alors ensuite, on va passer aux jeux vidéo. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Pour 4 euros, j'ai rentré également le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur Nintendo Wii. Bon, il est complet. En excellent état. Ça reste des jeux multijoueurs super fun, ça, les Mario et Sonic. Bon, écoutez, pour 4 euros, je l'ai pris celui-là. Ensuite, il y avait deux jeux PlayStation 2. Ils étaient à 2 euros unité. Je me suis pris le Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch. Voilà. Malheureusement, il n'est pas complet. Mais le CD était en bon état. Surtout, je ne l'avais pas dans la collection, celui-là. Peut-être sympa. Coupe du Monde de Quidditch. Je pense qu'à l'époque, j'avais dû faire la démo de ce jeu. Je pense que j'avais pas mal accroché. Maintenant, bon, le jeu complet, je ne l'ai jamais eu. On le découvrira. Un jeu que j'aimais beaucoup à l'époque, c'est le Riding Spirit 2, jeu de moto. Bon, bien entendu, on avait le Tourist Trophy sur PlayStation 2, qui détrônait tous les jeux de moto, ça on va pas se mentir, c'était le meilleur jeu de moto, Tourist Trophy. Mais le Riding Spirit, premier du nom, j'avais pas trop accroché, parce qu'il était vraiment très dur, au moindre virage en tombée. Et ils avaient fait quand même quelques améliorations sur le Riding Spirit 2.
On va dire qu'il était un peu plus permissif. Voilà, on tombait un petit peu moins dans les virages, mais ça restait quand même. C'est un jeu édité par Capcom, hein. Franchement, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, pour les amoureux de moto. Moi, j'adore les jeux de moto. Bon, écoutez, pour 2 euros, il est complet, en très bon état. Donc, je me le suis pris. Et pour finir, un petit jeu PlayStation 3, l'incroyable Hulk. Donc là, dans le vide-grenier permanent, la personne l'avait étiqueté à 5 euros. Mais écoutez, honnêtement, bon, le jeu est pas fou, hein. C'est pas un super jeu. C'est un peu une sorte de beat'em all où on détruit tout. On a une ville type New York modélisée plus ou moins bien, hein. Les graphismes sont vraiment pas terribles du tout. Mais c'est un titre, je trouve, qui se fait de plus en plus rare. Hein. Ça, je l'avais vu il y a quand même assez longtemps. Et au fil des années, c'est vrai que, édité par Sega, c'est un jeu que je vois de moins en moins en brocante, en vide-grenier. Même dans les magasins cash. Donc écoutez, pour 5 euros, je me suis dit, bon, je vais le rentrer dans la collection quand même. C'est un jeu qui se fait de plus en plus rare. Hein. En plus, il est en très bon état et complet. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, rentrer ce Hulk dans la collection de mes jeux PlayStation 3. Bon, vous voyez, en termes de jeux vidéo, rien de fou non plus, hein. Quelques titres. Un jeu de société quand même bien sympa, le Canon Noir, je suis content de le rentrer. Un Steelbook, le BioShock sur PC. Un guide stratégique. Deux jeux PlayStation 2, un jeu Wii, un jeu PlayStation 3. Bon, écoutez, on vient tranquillement compléter quelques jeux dans la collection. Rien de fou, mais des titres quand même assez sympas et qui me font plaisir. Voilà l'essentiel, toujours, quand vous allez en brocante à vide-grenier, vous vous faites plaisir, même si c'est un jeu pas fou, mais à petit prix. Écoutez, vous les rentrez dans la collection, ça vous permet même de temps en temps. Et même pour la plupart du temps, on va dire, de découvrir des titres. Parce que bon, ben écoutez, à l'époque, c'était quoi, 50, 60, 70 euros le jeu. On ne pouvait pas tout acheter. Il y avait des démos. Mais voilà, maintenant, les brocantes, les vides-greniers, ça permet de redécouvrir ou de découvrir certains titres qu'on n'avait jamais fait. Et moi, ça, je trouve ça super sympa. Voilà, les amis, nous, on se laisse sur ces images. Et je vous dis à plus. Pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Say no shit. Niggas on my dick. This is Rich Bloods. I'm back.